Et salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve pour une petite vidéo sur Assassin's Creed Unity en coop avec le grand, le beau, le magnifique assassin en blanc, Oxy, bonjour. Eh bien, salut, assassin. Que penses-tu de cette tenue rouge vive? Eh ben écoute, elle va parfaitement bien avec ton teint. En plus, j'ai eu peur, moi j'ai cru que d'ailleurs Assassin's Creed Black Flag. Oui, c'est vrai que ça aurait pu. Non mais, je suis digne des plus grands assassins de mon temps, tu vois. Oh mon dieu, faut tuer les criminels. Hop! Oh la vache, tu t'es TP. Waouh, non mais, franchement, cette coop. Du coup, on va vous faire une petite mission coop, mais avant. Avant, parce que faut pas... Enfin, ça va bien 5 minutes, mais préparation de l'équipement. Je vais me remettre... Enfin, je vais enlever la couleur, parce que c'est... Bah, moi aussi. C'est quand même relativement moche, quoi. Non, toi, garde la couleur. Alors attends, je vais essayer de m'en mettre une bien qui irait bien avec la tenue de rôdeur que je me suis prise. Un petit vert clair, je pense que ça pourrait passer. Ah non, rôdeur du marron. Je voulais un truc sombre, mais y a pas. Attends, les ciels pluvieux, non, y a pas. Teinte d'émeraude. Ah, oh, c'est dégueulasse. Alors d'ailleurs, petite précision, donc moi je suis un exécuteur d'élite et lui c'est mon élève supérieur, donc voilà. Gros écart en termes de niveau, mais bon, on s'est dit non. Que ce serait pas, on s'est dit que ce pas serait du pas tout. gênant pour la vidéo. En termes de tenue, j'ai la tenue ajustée d'Arnaud. Je vais garder le blanc. Attends, je vais faire un truc aussi. Hop. J'aime bien le blanc. Mais du coup, moi, j'ai la tenue ajustée d'Arnaud. En épée, j'ai Chiavonne. Et en pistolet, j'ai... je crois que j'ai le pistolet d'officier, je suis plus sûr. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais les options audio. Ah, j'ai pas encore d'épée, alors attends. Personnalisation de personnage, parce que ce sont l'équipement. Arme, pistolet. Et du coup, je peux m'acheter... Tu me conseilles quoi comme pistolet en premier? Alors, hop, donc comme pistolet en premier, comme pistolero, je te conseille... Alors moi déjà, voilà, j'ai le pistolet à plaquage d'or en fait, donc ce qui n'a rien à voir avec le pistolet d'officier, et moi je te recommande... Lequel j'avais pris, moi? What? Le pistolet Ok, d'accord, de... attends, je me fais attaquer. Le pistolet de cavalerie française. Où es-tu, mon beau? Je viens te sauver! C'est bon, je me suis désattaqué. Alors, attends, le pistolet d'officier. Arme, pistolet. Je peux m'acheter le pistolet à plaquage d'argent. Est-ce qu'il est bien? Je ne sais pas. Je peux m'acheter le. Je peux rien m'acheter, je crois. En fait, j'ai pas assez de thunes. Oui, c'est fort probable aussi. Non, j'ai pas de thunes. Faudra que tu améliores le café. Donc, tu me conseilles quoi? Plaquage d'argent, le cavalerie. Pistolet d'officier français, si tu peux. Ah non. Pistolet d'officier de base. Il est pas déverrouillé chez moi. Ouais, j'ai bon, pistolet bah, de duel. Prends le plaquage. Attends, dégâts portés. Ah, bah non, le attends. Le plaquage d'argent, il m'a l'air bien. Bah prends-le, ouais, vas-y. Attends, j'ai des petites compétences à prendre. Ah mais c'est bugué, ça normalement je l'avais prise. Hop, voilà, je suis un maître serrurier. Ok. Du coup, faudrait qu'on se trouve une petite mission. Il y a des trucs à prendre ici au niveau des compétences. Hop, compétences corps à corps. Non, j'ai rien d'intéressant à prendre. Portée. Intéressant non plus. Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là, t'en fais pas. Je cherche une mission. Oh, je sais, on pourrait se faire le complot autrichien. Non. Bah moi, il me faudrait une mission que j'ai débloquée, quoi. Ce serait cool. Bah, a priori, on devrait pouvoir. Tu vas me suivre, d'accord? On va y aller. Je sais pas si quand on joue en coop, on peut se TP. Je pense pas. Bon, on va y aller à pattes, hein, c'est pas trop Vas-y, loin. Vas-y, à pattes. Du coup, bah, écoute, tu vas me suivre. Non, attends, moi, j'en ai une à 24 mètres. On se fait celle-là? Bon, bah, vas-y. Hop. Ah oui, effectivement. Il faut voir ce que c'est, en fait. Parce qu'elle peut ne pas être terrible. Chaîne alimentaire. Bah, elle est pas ouf, hein. Ouais, mais bon, après, ça peut permettre d'avoir l'autre mission que je t'avais dit, là. Mais je pense que, de toute façon, tu peux faire n'importe... Bon, bah, vas-y, on fait celle-là, c'est pas grave. Alors, j'espère juste qu'on va rester tous les deux. Parce ouais, que une mission à deux, ce serait bien, tu vois, genre... Moi, ça me met recherche de joueurs. Ah, oui, bah, oui. Non, mais c'est parce qu'elle peut se jouer jusqu'à 4, c'est pour ça. T'as pas moyen, genre, de faire... commencer maintenant? Non, j'ai pas moyen. Fais annuler la recherche, on va trouver une mission où on est deux. Il y en avait une à deux, mais non, je mais pas, ce que tu fais pause. Juste ici, tout à l'heure, j'ai réussi à en fais débloquer pause, une à deux. Fais pause. Ouais. Tu vas dans pause. Suivi de progression. Tu vas dans mission coop. C'est où dans suivi de progression? Suivi de progression, c'est le premier truc qui okay, apparaît quand tu fais pause. Tu vas dans mission coop. Tu mission fais coop. A, et ça va te mettre la liste des missions coop. Des têtes vont tomber, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et deux joueurs max, bah c'est nickel, prends celle-ci. Hop, jouer. Normalement, ça va être la bon. Partie débutera bientôt. Ouais, donc c'est bon, tu vois, rien de compliqué.
Non, parce que ça a été un calvaire pour commencer cette vidéo avec, enfin, avec Oxy, hein, n'est-ce pas? Du coup, on va essayer Je suis faible, je ne peux plus. On va essayer de s'en sortir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, tout comme Oxy, enfin, Oxy, j'en sais rien, en fait, il dira oui ou non, mais moi, je suis un grand fan de cette saga, licence, qui est Assassin's Creed, peu importe tout le mal qu'on peut en dire, qu'il y ait des bugs ou quoi, voilà, quoi. J'aime beaucoup, c'est toujours très plaisant, et ce qui est très drôle avec l'Assassin's Creed, c'est que ça fait partie de ces jeux que j'adore. Mais la loi des suspects a déclenché une vague, donc... Un mot de travers, ce qui est la peine de mort. Waouh, les sous-titres sont complètement buggés chez moi. Oh, il s'est fait péter la gueule. Des ennemis de la liberté. Oh, le mec, il est passé en mode... Hé, VIP. Mais citoyen, Oxy. Didier Paton. Paton. C'est pas ton affaire. Oh, oh, oh la bonne blague. Elle a de bonnes factures. Trop bon espion. Peux-tu identifier ces citoyens? Un grand nombre. Ils ont trahi la France. Je crains même qu'ils n'aient sous leur... J'ai mal à ma France. Gouvernement. Garde! Tu es vraiment un espion de grand talent, Paton. Peut-être de trop grand talent. Arrêtez ce traître. Vous n'avez pas le droit. Non. Et oui, ils ont des gens du gouvernement. Bah Robespierre quoi. Et ouais. J'ai des espèces de bugs de texture moi de mon côté, je sais pas ce que ça donne pour toi. Moi c'est nickel. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la version PC du jeu, pour avoir fait le jeu sur PC et PS4, est très buggée hein, pour le coup. Contrairement à la version console. Et du coup, ouais, ce que je disais, c'est que ça, c'est typiquement le genre de jeu que j'adore, mais sur lequel je vais très vite m'ennuyer, parce qu'on fait toujours la même chose, mais vu que l'univers est toujours différent d'un Assassin's Creed à l'autre, ben au pire, je mets le jeu de côté et puis je le reprends plus tard, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah écoute, ouais, c'est ce que j'ai fait pour Black Flag pendant un temps, et maintenant que je le reprends, je suis content. Ok, il y a pas mal d'ennemis là-bas. On se sépare. Hein. Ouais, j'ai activé la vision d'aigle, moi, pour... Faut savoir que t'es beaucoup mieux stuff que moi. Oui, bah moi, oui, c'est sûr. Alors attends, parce que je jouais à Black Flag juste avant, du coup, faut pas que... Comment on tire dans ce jeu, déjà? C'est qui m'a repéré? Il m'a pas vu! Si, il m'a vu. Mais non, il m'a pas vu. Comment... Je sais plus comment on tire dans ce jeu. Ah, c'est que j'ai plus de... Ok, très bien. Il est où? Il est là-bas. Ok, je vais y aller. C'est que j'ai plus de mun. Oh, puis zut, allez, hein, je vais les défoncer en faisant un carré. Non, non, on avait dit un peu de RP. Je suis... T'as activé la vision d'aigle il y a pas longtemps? Non, pourquoi? J'ai vu comme si quelqu'un l'avait activé. Non, c'est que... Ok, je suis mort. Ah, bah j'arrive. Qui m'a vu? Silver. J'arrive. J'ai... Sois tête. J'arrête. Mais je l'ai one shot, les gars. T'es où? T'es sur le toit? Je suis en train de crever. J'arrive, t'inquiète. Enfin, j'essaye. J'espère que je vais avoir le temps de monter. Hop. Allez. Ne me tire juste pas l'impression dessus. J'ai l'impression de faire un mode zombie. Je vais crever, tu peux rien. Ah, allez les potes. Couille. Je couille. J'arrive. Non. Oh non. Bon. Comment on tire dans ce jeu? Ah, comme ça. J'aime bien le, tu sais, le comme ça. Oups. Oh, ça va, je ripop ici. Bon, ok, donc vous avez pu le voir, hein, j'adore Assassin's Creed, mais ça fait pas de moi un joueur de fou. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'est le lag de la cause. Et... Pourquoi il veut pas sauter, ce con? Alors. Ouais. Comment on fait pour tirer? LB. LB, ok. Faut rester appuyé? Non, juste appuyé. Pouf! Voilà. Alors, ce qui est bien avec mon pistolet, du coup, c'est que... Attends, je te follow. C'est qui est pas mal. Bah, je sais, ça fait longtemps que tu me follow. Non, mais je te follow. Lol. Tu dois affronter la justice.
Hop, voilà. Je le vole. Et je le vole. J'ai pas fouillé le bon. J'aime bien ta tenue, elle est... Elle est sympa. Ouais, elle rend bien, je trouve. Ouais. Alors attends, je voulais voir sur la map, où est-ce qu'il y a des... Ah, ils sont là. Il y a des petits... il y a des objets de point 5 à récupérer. Tu vas me suivre. Ah, il est en bas, par contre. Il y a des coffres aussi, je vais aller faire un coffre. Vas-y, va faire un tour au niveau du coffre. Ok, attends, il y a des gens ici. Où ça? Oh, il y a quelqu'un en haut aussi. Comment on fait pour tirer? LB, je t'ai dit. Hop. Bon, alors, comme vous le voyez, on forme une très très bonne équipe. Hop. Je vais m'occuper du garde. Évite juste de remourir. Je peux pas choisir la lame secrète. Non, parce qu'on peut pas s'en servir comme d'une arme dans ce Assassin's Creed. Ah, c'est comme ça. Bah oui. Alors, je vais faire un saut, mais j'ai peur qu'il le compte pas comme un saut de la foi. Ok, c'est bon, ils l'ont compté comme un saut de la foi. Parfait. Nickel, alors mon coffre, il était où? Hop. Salut. Et en dessous. Ah bah, c'était en train de les buter. Voilà. T'en fais pas, Roger. Ah, j'adore les... J'adore ce sens, c'est vraiment... Je trouve pas mon coffre. Ouais, je trouve... Il a été critiqué par beaucoup de... Enfin, pour beaucoup, c'est sûrement le moins bon des Assassin's Creed, mais... Enfin, il est plutôt... Sans compter les bugs, hein, bien sûr. Mais il est plutôt... Enfin, je sais pas, moi, je l'aime bien. Ça vaut pas Black Flag, selon moi, mais... Voilà. T'es déçu. Le mec, il en a rien à foutre, tu sais. Salaud. Alors c'est quoi ça? Comment on fait pour dégainer B, interagir, ok. Tout simplement. Alors, comment ça marche? Oh, y'a même pas de serrure, ok, c'est nul. Alors, moi, je veux mon objet de point 5. Je suis déçu. Tu vas me suivre, d'accord? Tu viens? Je suis derrière. Je te follow. Ah oui, tu voulais un coffre avec une serrure. Faut qu'il soit rouge, le coffre. Je me fais sur une droite. Ah, bon, bah vas-y, on se les fait. Bon, je prends celui de droite. Ok, gauche. Bien. Non, c'est vrai alors, que c'est... Alors, papa, comment tu trouves ça? Bon, en fait, alors, ce qu'il faut savoir, on l'a dit récemment dans une vidéo qui était dédiée à Minecraft, mais maintenant, lorsqu'on fait une vidéo à deux, c'est plus histoire de pouvoir... Enfin, que vous puissiez rigoler un bon coup, en espérant que ça puisse vous faire rire. Ah oui, on est... Enfin, on, voilà, c'est pas dans le but d'être sérieux, quoi. Personnellement, quand on joue... je ferai pas de let's play... sur Assassin's Creed, enfin pas pour le moment, parce que je m'y connais pas assez pour en parler, puis vous voyez mon niveau est pas terrible, là on fait ça parce que vraiment c'est, on espère en bah, tout cas que ça c'est pas ce que je voulais dire moi, enfin c'est surtout que là on joue en mode rien à foutre, mais c'est parce que bah, c'est le but de la vidéo quoi, de bah alors, t'arrives pas à ce qu'elle dire. Non mais c'est que ce que je veux... Il y a un coffre rouge ici, je veux le prendre. Ouais. Essaye. Ah mais c'est vrai que la vision d'aigle de Assassin's Creed Unity est assez cheatée, hein, parce qu'elle voit à travers les murs. Alors, vision... comment ça marche, le crochetage? Hop, attends, j'arrive. Ok, j'ai réussi. Bah, nickel. T'es où? Ah, d'accord, il y a un mur qui nous sépare, Roxy! T'inquiète pas, je saute par la fenêtre! Mais, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il est, ce truc de point 5. Il doit être dans des égouts, je pense. Oh, t'es là. Est-ce que je peux te sauter dessus? Non. Égouts, c'est-à-dire? Il y a des égouts dans le jeu. C'est quoi le truc point 5 que tu parles? C'est le machin en forme de bouclier, là? Non, on va sur ta map. Et Ouais. Mais il n'apparaît plus. Ah si, tu vois un coffre rouge en bas à coffre droite. Coffre verrouillé, voire dans celui de progression. Il y en a plusieurs des coffres rouges. Il y en a un à gauche et il y en a un à gauche du point vert et un à droite. On est d'accord. Il y en a un à droite du point vert. Celui à droite, tu vois, il y a un petit A à côté. Non. Bah alors regarde l'autre coffre rouge. Ah, je vois pas d'autre coffre. Non, d'accord. En fait, je pense que quand tu déverrouilles un coffre, ça le prend pas pour moi. Bon, au pire, écoute, on va aller récupérer ce qu'on doit récupérer, et puis voilà. Moi, je vais aller à ce coffre rouge, là. Hop, c'est parti. Bon, écoute, je me sépare. Attends, je vais d'abord au coffre rouge. Ouais, vas-y, t'inquiète. Il y en a un qui est juste là-haut. T'inquiète. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on filme tous les deux, hein, c'est qu'on fait pas du tout la même chose, même si on est dans la même partie. Exactement, Jackson. D'ailleurs, à la limite, ce que j'aurais fait, moi... Voilà, c'est ça. J'aimerais bien monter sans... Ok, bon, très bien, je vais monter par ici, j'ai compris. Bon bah, je vais déverrouiller un coffre aussi. Hop. Oh mon dieu. YOLO swag. Beaucoup trop dur à déverrouiller ce coffre. Je rappelle que je suis un maître serrurier. Hein. Bah, ça tombe bien, j'ai besoin d'un double de clé éventuellement. Un double de clé.
Hop. N'empêche, il n'y a pas à dire, mais le système pour descendre dans ce Assassin's Creed est vraiment sympa. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, toi, tu meurs. Je suis plus du tout au même niveau que toi, là. Je vais très loin, là. Alors, crochetage. Je traverse le fleuve, là. Oula, il y a trois goupilles. Oh, ça va trop vite. Tu veux que je vienne le faire ? 1, 2, 1. Il y a moyen de le faire, hein, clairement. Pas possible, ça va pas marcher. Si, y a moyen. Cette serrure dépasse notre niveau actuel de compétence, je m'en fous. Non, mais tu peux le faire si t'arrives à te débrouiller, c'est très très dur. Par contre, faut que tu fasses gaffe parce que t'as que 5 crochets, toi. 3, 4. Oh là là ! Attends, je peux pas avoir le niveau 2 Non, bah non. Hop. Pendant que Oxy galère au palais, moi je ravitaille tout. Oh, ça coûte extrêmement cher de tout ravitailler. 1, 2. Ah oh là, j'y arrive pas. Viens. Hop. Viens s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Je t'attends en tac, mode tac, éclaireur tac, sur, tac, 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 sur une corniche. Ah ouais, je te vois galérer à aller à ta corniche aussi. C'est faux. Tu dis n'importe quoi. Hop. J'aime beaucoup la tenue d'Arnaud moi. D'ailleurs pour ça hein, que j'utilise cette tenue parce que j'ai débloqué la tenue du maître Arnaud mais je l'aime pas trop honnêtement. Puis ça aurait spoil aussi, lol, la tenue du maître tu peux la voir dès le début je crois. Ah quoi. Tu la vois dès le début mais tu peux pas l'utiliser. Oui voilà, c'est un peu bête. Je m'attends à cette corniche. Ah c'est ce coffre là que tu veux, et comment on y rentre Ah bah il est là, je suis bête. Hop. Ouais mais attends, mais ça se trouve ça le déverrouille pas pour toi. Non mais même. D'accord, très bien, bah je vais le faire. Je veux juste le voir s'ouvrir. J'entends le ksh. Ah mince, j'en ai raté un. Ah oui, j'ai vu ça. C'est trop bien, j'entends tout. Non mais le truc, il est super lent chez moi. T'as réussi. Hein. Et j'arrive quand même à en louper. Bah là, en gros, pour moi, ça revient comme si c'était un coffre de niveau 1. Oh, 2000 francs. Why not. Bon, on va faire notre objectif ou pas? Ouais, j'y vais de ce pas. Viens, c'est par là. Bon, prends ton chemin, vas-y, fais ta route. Chacun sa route, chacun son chemin. Moi, je passe par là. Je passe bien devant tout le monde. Salut. Oh. Mais... Que fait-il? Boum. C'est rien, je prépare c'est pour le festival de fin d'année. C'est ça. Je suis rentré à l'intérieur, mais est-ce que je peux y aller par là? J'aimerais bien aller ici, voilà, hop. Voilà, donc moi je suis rentré dans une pièce. Et ce que je dois récupérer est juste là. Hop. En dessous. Ok, est-ce que je peux aller en dessous à partir d'ici? Il y a une... Non. À partir de là, non. Mais t'aurais dû me suivre, hein. Moi j'ai pris le bon chemin. Salut. Non, vous avez pas rêvé, c'est pas moi. Salut, à la prochaine. Non mais je te vois te déplacer au-dessus. Laissez-moi. Mais barre-toi, abruti. Pourquoi mon perso il est con? Voilà. Allez, attaque. Il va me dépecer. Il va me dépecer. Tac. Silver. Oui. Je te ramène des copains. Oh vas-y, t'inquiète. Après tout, je suis un exécuteur. T'es où? Là. Oh, t'arrives en mode badass. T'inquiète. Je m'en occupe. Bah, en fait, ils sont trop loin. Hop, moi je récupère ça. Oh. Ah, oh, je saigne. Oh, le sang sur ma tenue blanche, ça. Attaque. Bah moi j'ai la tête noire, c'est un peu. Attends, je vais pistoleter. Faut sauver Paton. Ah, c'était stylé, on a tiré tous les deux pile poil en même temps. Oh, celui de gauche, il apparaissait pas sur mon écran. Tu peux constater à ma tenue que j'ai pris deux grosses balles. Quand même. Ah oui, alors... Bah non, mais ça apparaît pas chez moi. Est-ce que chez toi, j'apparais avec du sang? Oui. Alors non, d'ailleurs, en fait, ça s'est résorbé en fait. D'ailleurs, à savoir que, voilà, fais voir ta petite mimine, fais voir ta tête. Les mimines, c'est pas les mains. Bref, voilà, il a pas vraiment la tête d'Arnaud. Moi non plus. Si, le mien a la tête d'Arnaud. Oui, le tien a la tête d'Arnaud, mais moi je l'ai pas sur ton écran normalement. Attends, il y a un coffre rouge là. Bon, je suis tombé amoureux des coffres rouges. Attends, je regarde, il est où? On doit quitter les lieux et trouver Paton. Il est juste là, le coffre, attends. Il doit être en bas. Non, il faut passer par la fenêtre. Ok, on peut pas passer par la fenêtre. Il est juste, tu le vois là en vue d'aigle? Non mais moi je l'ai déjà eu en fait ce coffre.
pense. Ah, c'est le coffre qu'on galérait à avoir ? Non, 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 c'est pas lui. Mais je pense juste que, vu que bah, je suis déjà venu ici dans le scénario, ben, j'ai dû récupérer le coffre. Il y a de grandes chances. Arnaud galère un petit peu à monter, hein. Bon, j'aime bien le système pour monter dans ce Assassin's Creed, mais il est perfectible, on va dire. Hein. Il est perfectible depuis le premier Assassin's Creed. Exactement. Oh, oui, la mission, on l'a fait s'éterniser, mais écoutez, c'est pas grave. Salut. Le but, qu'est-ce que... Bah Johnson, me fais pas peur comme ça, oui. Tu viens, c'est par là. Attends, je grimpe. Y'a mon coffre, mais oublie pas, je veux récupérer mon coffre. Pourquoi tu grimpes? Oh, t'es sérieux, je peux pas te tirer dessus, là, juste pour te faire descendre. Heureusement que non. Bah pourquoi, ce serait drôle. Bon bah je commence à aller faire la mission, moi. Attends, j'ai paumé mon coffre. Bah voilà. Putain, il est là. Ah si si, c'est le coffre que je galérais à avoir. Bon bah... Fuck you. Alors un truc qui est vraiment pénible par contre dans ce Assassin's Creed, contrairement à Black Flag, c'est que si tu veux faire une attaque sautée sur les ennemis, faut vraiment être juste au-dessus quoi, tu peux pas le faire de très loin. Ouais, c'est dommage. Black Flag était cool sur ça. Ouais. Je saute. Bon, oh, je t'attends ou je continue d'avancer moi? Je vais possiblement crever. Je suis mort. Bon, je vais venir te reste, c'est bon. C'est trop bien. Moi je suis passé vétéran au moment où t'es mort. C'est trop bien parce que... votre élève s'est suicidé, vous passez vétéran. C'est trop bien, parce que je suis mort genre à plat ventre, et là mon mec il bouge ses jambes en mode ah putain, oh, ça fait mal quand même. Non mais je suis passé vétéran au moment où t'es mort, et tu sais t'étais élève toi, donc ça fait trop, votre élève est mort, vous êtes donc un vétéran. Alors, ça va? Allez. Ça va. Je me suis juste brisé le dos. Merci Jackson. En gros j'ai sauté de, tu vois la haute tour. Ah oui, non mais d'accord. Ah, j'ai sauté de là. Ouais, ok. Bon, mon élève, je l'ai mal formé, hein. Je l'ai pas appris à être intelligent. Bon, maintenant on fait la mission, hein. Parce que je te follow. On fait des trucs classe. Oh merde. Ça va bien 5 minutes, mais... On fait des trucs classe, je te follow en mode assassin. Ça tombe bien, t'es un assassin. Mais non, t'es pas un assassin, toi t'es un villageois en cosplay, en fait. Hop. Je dirais même que je vais te doubler. Très bien. Une fruiterie. On fait la course. Hop. Faut repérer le gars. Ah, il est là. Très bien. Du coup, faut faire quoi? Tuer les Templiers, trois. Faut tuer les trois Templiers. Okay, tu prends celui de gauche. Je vais tuer celui qui a la fenêtre. Ouais, vas-y. Les autres, ils sont où? Oula, ma caméra, elle a pété un plomb. Edin. Y a des gens qui... Y a quelqu'un qui monte dans... Ah mais je l'ai déjà fait cette mission. Mais oui, mais en même temps je suis bête. Ils sont où les Templiers? Ah, là-bas. Ah, et lui. Oh, il est trop loin. Boum. Non. Headshot. J'allais... Désolé. On est une très bonne équipe, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il est où le dernier? Hop. Ok, c'est bon. Très bien. On nous a pas repéré. Ce n'est rien. Il est où le dernier? Le dernier, je crois qu'il est loin. Il est loin sur la gauche. Ouais, vas-y, va le tuer. Eh! Alors, regardez comment je fais. Mec. Mais non, mais lui, faut pas le tuer, lui, c'est celui qu'il faut sauver. Moi aussi, je le fais au flingue. Rien à foutre. Attends, tu tires sur qui là? Oh. T'as tué qui? Ah, je vais te faire. T'as tué qui? Bon, écoute. Ouais, parce que le gars qui est juste là, c'est celui qu'il faut sauver, justement. Non, on le tue. il est ailleurs, celui qu'il faut tuer. Bon, il est où d'ailleurs? Putain, je me bats comme un dieu. Bon, je vais me faire tirer dessus là par contre, donc faut que je me tire. Fais attention, t'es déjà mort deux fois. Comment on esquive? On esquive comme ça, ok. Paf, on esquive comme ça, on esquive comme ça. On esquive comme ça. Oh, on m'a repéré. Y'a pas moyen de tirer rapidement en combat. Tu peux mettre de la fumée sinon pour t'échapper. Hein. Non, c'est pas Black Flag, hein. On peut pas tirer. Bon, il est où celui qu'il faut tuer parce que... Ça va bien 5 minutes, hein, mais... Ah, t'es sérieux? J'arrive. Ah, Arnaud, tu fais des bêtises.
fait. Voilà, il ne me voit pas te réanimer. Oh, je t'ai fait des petites tapes sur les joues. Bon, je me tire, hein. Il est où celui qu'il faut tuer là, parce que... Bon, écoute, moi je fais de l'exploration, j'explore la zone. La zone en vision d'aigle. Moi je me tire. Je me tire! Je me demande pas pourquoi je pars sur mon tir. Y'a pas une fenêtre où je peux rentrer là? Si, là y'en a une. Je le trouve pas, ça devient pénible. Et rentre, abruti! Bon! Alors, cette fois on va voir si c'est. Je te double! Voilà, alors je vais aller buter le connard qui est à la fenêtre, hein. Celui qui m'a attends, fait. Attends, on va essayer de repérer tout le monde avant d'aller en buter, d'accord? En fait, on fait carrément Batman et Robin. Ah, c'est bon, je vois le troisième. 1, 2, 3. T'allais être où ça, le troisième? Ah non, c'est pas des troisièmes. Bon, je vais m'occuper de celui qui est à la fenêtre quand j'aime même. Bien. T'as dit, c'est pas des troisièmes. On fout, je m'occupe de celui qui est à la fenêtre. Parce qu'il y a celui-là, donc. Okay. Là, j'ai le deuxième. Ah, ok. Ça bug. Voilà. Toi, tu n'as rien vu. Et d'un. Ok, on s'est pas fait repérer. Et le dernier, il est où? Lolala, on ne me voit pas. Je vois pas où il est le dernier. Il apparaît pas. T'as fait quoi encore? Que dalle. Sérieux? Moi ils m'ont toujours pas repéré de toute façon. Moi non plus. Ouais. C'est pas sur moi qu'on tire. Bah non plus du tout. Ah non, à la place de la Bastille, regarde. Enfin, la place... Pff, je suis con. Y a de l'agitation en fait là-bas. Ah oui, c'est entre. Ouais, entre les royalistes et. Ouais. D'accord. On n'a pas exploré toute la zone d'aigle. Moi si. Et il apparaît pas le troisième, donc ça devient un peu pénible quoi. Parce que ça se trouve, on va devoir s'arrêter ici juste parce que la mission est plantée. Donc c'est pas top. Je ne laisserai pas une chose pareille arriver. Ah, c'est pas lui. Non. Ah, c'est pénible. Tout se passe bien, j'ai pas été repéré, t'inquiète pas. Aucun souci, voilà, paf paf paf, salut, adieu. Moi je me suis fait voir par contre. Moi aussi. C'est pour ça que je courais. Oh. Bon. Où est ce salaud? Je vais faire un petit saut de la foi. Peut-être ça va me porter chance. Waouh, je ne vois rien. C'est bon. Arrêtez de me tirer dessus. J'ai dit arrêtez. Est-ce que tu me vois grimper? Non. Voilà, moi j'ai pas besoin de voir pour tuer les gens. Ah. Est-ce que je peux faire un truc là pour Splaton là? Hop. Salut. Tu es le Templier, mais il est où le dernier Templier, Samy? Mais il apparaît pas. Ah c'est bon, il est apparu. Oh, moi aussi. Go. Ok, je suis à côté. Ok, c'est moi qui m'occupe. Je m'en occupe. Fais pas le con. T'as eu de la chance. Voilà, c'est pas trop tôt. Il y a toujours écrit 2 sur 3. Ah, 3 sur 3. Bon, il y a quelqu'un qui m'a vu, donc je vais le buter. Je crois qu'on m'a vu aussi, accessoirement. Bon, hop, faut qu'on se casse. Bon, on va se dépêcher là parce non, que c'était il faut utiliser la vision d'aigle pour retrouver Paton avant le Templier. Oui, non, mais d'abord, faut aller là où il se trouve. Hop. Bon, y'a ma maman qui a dit je ne m'en vais pas, je pars. Trouvez. Enfin, c'est toi qui as trouvé, mais. Moi, je le follow à terre, hein, écoute. Assassin, mais j'aime bien courir. Non, mais enfin, je sais où est-ce qu'il faut aller en fait. Oh mon dieu. C'est un peu de l'Inception, je sais déjà où il faut aller. Je dois t'avouer que ce bug, ça m'a un peu saoulé. C'était pas un bug en fait, parce qu'on était vraiment, pas dans le champ de vision. Ah, je pense que si, parce que moi, enfin, la fois d'avant, j'y étais. Enfin, je suis passé. Hop. Allez, go, mauvaise troupe. J'ai peut-être bousculé les mauvaises personnes. Qu'est-ce qu'il est lent par contre, l'assassin, lorsqu'il est dans la foule. Disparition ninja. Moi, je me dirige là où il y a le point vert. Hein. Ouais. T'en fais pas, je sais où est-ce qu'il se cache. Il est au sous-sol.
Salut. Hop, hop. Je vais juste buter lui. Aucun respect. Attends, on est vraiment des assassins de malade. Occupe-le pendant que... Poursuivi. Hein. Oui, bah occupe-le pendant que moi je déverrouille la porte. Ça te va comme occupation? Ouais, parfait. Hop. Voilà. Alors, chez moi, tu fais du moonwalk, c'est assez cool. Tiens, tiens. Pets, pets, tananao. Paton! Où es-tu, Paton? Spola. Where is... Ah, il est là. Là-bas. T'es pas au bon endroit. Ah, ah, m'en fous. On peut y arriver quand même par ici, je le sais. Non, tu peux pas. N'active pas la cinématique, j'arrive. Dépêche-toi. 3, 2, 1, 0. Que puis-je faire pour vous ? Mourir. On a fini par rejoindre les rangs des assassins grâce à vous. Waouh, il a pas mis longtemps avant de rejoindre les assassins. Ouais. Ah bah toi qui fais la tenue de rôdeur en plus, t'obtiens le pantalon de rôdeur. Bah non, j'ai obtenu le machin médiéval. Ah bah moi j'ai obtenu le pantalon de rôdeur. Alors oui, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a 3 récompenses à chaque fois, mais t'es obligé de faire la mission 3 fois quoi. C'est un petit peu de la rejouabilité forcée, c'est un peu dommage. Hop, continue. Donc écoutez les amis. C'est après ce fiasco total que nous allons nous quitter. Ah oui. En fait, ils vont avoir trouvé la vidéo relou, tu sais. C'est possible, c'est fort probable. En ligne, a quitté la mission. Oui, bah, moi aussi, a priori, j'ai quitté la mission. Donc écoutez les amis, quoi qu'il en soit, on va se laisser ici. On espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à passer sur la chaîne Doxy parce qu'il fait des trucs cool, il fait des trucs fun, il fait des trucs drôles. Et si vous voulez voir son point de vue, parce qu'il est mort plein de fois, ça devait être très 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 amusant. Le lien sera dans la description. As-tu quelque chose à rajouter, assassin? Eh bah écoutez, pour ceux de mon point de vue donc qui veulent voir quelqu'un qui gère un peu la fougère, qui ne meurt pas comme une sous-merde, allez voir le point de vue de l'ami Silver. Il fait lui aussi des très bonnes vidéos. Il a fait notamment un let's play complet sur Rayman Origins, qui est très sympa. Très ça t'a marqué, ça? Ah ouais, c'était... C'est le truc à chaque fois. Il a fait Rayman Origins, mais... C'est le let's play que... Il a pas fait que ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a fait Rayman Origins. Non, il fait plein de trucs. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Quoi qu'il en soit, on espère, comme il a dit, que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous en voulez d'autres, éventuellement, peut-être sur d'autres jeux, parce qu'on a la possibilité d'avoir d'autres jeux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, surtout à vous abonner aux chaînes respectives si ce n'est pas déjà fait pour voir une prochaine vidéo. Sur ce. Juste petite précision, il y aura peut-être une autre vidéo sur Unity où on essaiera d'être un peu plus RP, de bien jouer. Mais sur une mission plus intéressante, j'ai bien une mission en tête d'ailleurs. Des têtes vont tomber justement. Parce que cette mission, parfait. C'est. Si mes souvenirs sont. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est une mission. C'est combien de faire, des têtes vont tomber. Oui, voilà, c'est ça. C'est une mission avec Bonaparte qui est plutôt sympa à faire à deux parce que ça se passe. Enfin, en gros, il y a plus ou moins deux endroits où il faut aller. Du coup, c'est parfait quand on est à deux, tu vois. Alors que là, c'était un peu trop ouvert. Il fallait qu'on aille tous les deux au même endroit. Donc, voilà, on vous fera peut-être quelque chose de plus RP. Si ça vous a plu, bien n'hésitez pas à laisser un petit like. Et du coup, c'est toi qui vas dire le mot de la fin, mon cher Jean-Louis. Pastèque. Pastèque. Pamplemousse. Pamplemousse. Viens, on se fait un bisou d'assassin. Regarde, bisou d'assassin. Allez, ciao. Allez, bisous d'assassin. Mouah.